Comment ça va le gang aujourd'hui? Mon nom c'est Chali et on se retrouve, on est où? On est, je sais pas trop où on est au sommet d'un arbre apparemment. Et on n'est pas seul. Ouh, ça y est, je suis en bas. Un panda! Bonjour. Un panda, mon dieu, un panda. Burk! Et bienvenue sur... Halloween! Ah, j'étais plus rapide. Donc c'est un serveur où je suis tout seul évidemment. Eh ouais, regardez bien, on est tout seul, Shani et Jam. Ah, je vais éviter les conneries, alors il n'y a pas le nombre de morts, c'est cool. Je me cache. Ah si, c'est marqué. 49 mourages. Oh ça va, je suis trop fort. Oh, regarde, pour les petits nouveaux. T'as mouragé 49 fois? Ouais. Pour les nouveaux. Bienvenue. Une hache, des chaussures, une armure, un casque, un pantalon, de la bouffe, ça je prends. Une épée, je prends. Blaze Rod, je prends. Moi, je prends tout. Oui, fais ton plaisir, c'est pour toi. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Merci. Et des torches. On va s'équiper. On va mettre les nouvelles tenues. Alors, pour mes petits viewers d'amour, c'est un serveur sur lequel le pandounet, là, il est où il se cache où? Pandounet. Attends, je suis caché, je me prends de la bouffe. Ok. Il s'était caché, le pandounet, ouais. Et il m'a invité. Il m'a dit, tu veux pas venir faire le con avec moi ici? Et puis comme ça on sera plusieurs. Parce que sur la liste, alors il y a combien de joueurs en tout à peu près? 10 je crois. On est une dizaine, mais il y en a qui viennent trop. Mais. Alors pour les noms, on a Rulio, pour ceux qui connaissent. On a qui? On a le Jam là, qui traîne. Ouais. Il y a le Shani maintenant. On a Lunzia. Lunzia, il y a Flaming Talisker je crois. Ouais. Je crois. je crois. Il me semble, c'est un fondateur, mais il me semble. Ouais. Il y a Sistifree, je crois. Killjod, Black. Killjod, Black, oui. Lunzia. J'oublie personne. Stivix, Matox, ouais. Black Creep, Snarit. Ah oui, Snarit, j'ai fait oublier Snarit. Et puis je mets. Alors toi, Panda. Mais alors toi, Panda, c'est mal me connaître, je préfère mourir dans les flammes. Tu n'as pas vu le nom de mon épée? Non. Et je le verrai pas, je préfère mourir dans les flammes. Bienvenue, Shani. Ça fait deux fois, ça pique le cul à force. Mais dis donc, il y a foule ici. Une jolie voix pour mes viewers, voici Rulio. Ah, bravo, j'arrive pendant le rec et tout. Ah ouais, t'as déjà raté ma mourue. Et donc Rulio, c'est un nouveau. C'est un nouveau. Un ancien nouveau ou un nouveau ancien? Je suis pas d'accord. Attaque! C'est un nouvel ancien. Va me tuer le shiny, va me tuer. Un coup de poulet. Oh, moi je suis loin, je suis même pas. Prends un coup de Blaze Rod. Je vais faire visiter le spawn. Et attends, il faut que je me fasse une pelle en or et que je les renomme. Oui. Aïe, ça fait mal au cul. C'est pas marrant. Ça, t'as ton épée en ronde. Non. Non, c'est bon, j'ai une smite là. Il a déménagé apparemment, il a quitté Mumble. Donc là, c'est le spawnounet. Il y a un village avec des villageois, je suppose. Avec des sapins de Noël. Il y a des sapins de Noël, j'ai vu, avec des trucs. Là-haut, on a. On a une belle usine à faire. Hein. Mais c'est pas l'Iron Titan encore. Hein. J'ai voulu regarder combien de matos il fallait pour faire l'Iron Titan, ça fait mal. Hein. Déjà quand t'entends, il te faut 1500 portes. Ok. Oui, c'est ça. Donc là, voilà ma première maison du serveur. Bien swag. Hein. Ouais. Style villageois. Je vois ça. On rentre par là, on sort par là, hop, voilà. Ouais, voilà. Ici, on a un forgeron. Donc c'est ici que je m'installe, hein, moi. T'as déjà vu le nom forgerie, c'est moi qui avais de sortir la connerie. Porte en bois interdite au village, bah oui, on veut pas que les villageois meurent. Hein. C'est logique, donc je visite, hein. Là il y a encore une maison. Tout le monde a sa casse-bas dans le village, en fait. Ouais, à peu près, ouais. Bon bah il me reste plus qu'à en construire une, alors. Youpi. Je pense que je dois y encore en avoir de libre. J'ai sauvegardé chez Lunzia. Ah oui, oui, je suis pas mal, oui, je suis pas mal. Comme ça, si vous me butez, je sais où je reviens. Voilà, donc... Toujours, ça fait du bien avoir des prêts du Nether qui l'aident plus. Ah bah tu m'étonnes. Ça, c'est la plaie, le portail du Nether qui rame.
Petite saloperie. Pardon. Ouais. C'était pas toi. C'était pas toi. T'as vu là-bas ? Il y avait un squelette. T'as vu là-bas ? Le phare ? Ouais, le grand chat. Oui, le phare. Youpi ! Pour faire un dé à coudre. C'est un dé à coudre ? Ouais. Aïe. Aïe. Aïe, merde, c'est vrai. UHC, fais gaffe, Shane. Monte ouais, sans ton armure. Ok. Oh, quand ça l'aide pas, c'est tellement... Ah, c'est tellement bon, ouais. Hop, oups. Vas-y, tu sautes. Donc voilà la vue de Halloween, les enfants. T'es perdu. Ouh. Oh, t'as pris des dégâts de chute. Ouais, c'est ça, ouais. Ouh. Il enlève 6 coeurs et demi, ton arc. Fais pas joujou avec. Ouais. Oui, monsieur. Attends, je vais aller voir le bacon là-bas parce que j'en ai besoin. Donc t'as décidé de devenir un panda. Café, tiens, santé. Hop. Hop. Alors là, c'est chez toi. C'est moi en bas de chez moi. Alors, on dirait un stronghold. Hein t'as vu, je suis riche, je me suis fait un stronghold chef. Il est dans mon LP, je suis en train d'en déterrer un. C'est pas encore assez grand pour être un stronghold, crois-moi. Oh bah oui, ça je vois bien, j'ai pas regardé, oui. Là là là. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, Jam, c'est mon petit viewer. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrationné. Tu sais même pas comment j'ai découvert ta chaîne. Non, mais tu vas nous l'expliquer, tiens. T'as pas fait exprès, ouais, t'as cliqué sur un lien au hasard. Non. Je t'avoue, en fait, je me faisais chier de regarder des vidéos banales de youtubeurs Pierre et tout ça. Ouais. Je fais, ouais, bon, allez, je vais chercher des spé sur Minecraft. Et là, je vois Minecraft avec le World Border. Oh. Ah, tiens, il y en a un qui a eu des couilles. C'est ça. Et là, je vois. Ah, et puis, bah, direct, ta voix, j'étais mort de rire comme avec Talisker au début. Quoi. C'était bien fun. Ah, bah, moi, j'essaye de faire fun. Tu vois, plus fun que. Toi, tu fais une tour à mob, mais elle est pas belle. Je me trompe ? Oui, je sais. Si t'as besoin d'aide pour la déco, hein, tu sais à qui t'adresser. Oui, monsieur. Tu vas voir ta disqueur. Voyons à quoi ça ressemble. Parce que je suis en train de faire la mienne sur mon LP. J'aime bien jeter un coup d'œil au boulot des autres aussi. Voyons. Bah là, tu pourras pas. Tu rigoles ? C'était tout en haut, mais... Ah oui. Et tu vas faire quoi ? Combien d'étages ? Bah là, jusqu'à ce que ça monte, bah regarde, vas-y. Parce que tu sais qu'il leur faut 25 pour les dégâts de chute, déjà. Non, t'inquiète pas, elle fonctionne, regarde dans l'écran. Ok, ok, c'est ça l'important. Ouais, ouais, ouais. Un filtre à mob. Voyons là-haut ce que ça donne. Je suis en train de monter, j'essaye de ne pas mourir en montant, ce qui risque d'arriver à un moment ou à un autre, me connaissant. Ah, ça va maintenant. J'ai des Feather Falling 3, donc je peux tomber, je perds que le 3 coeur, mais... Oui, moi j'ai des... J'ai même pas fait la moitié. J'ai des Feather Falling 0, moi. Ah, j'entends des squelettes, donc ça spawn. Ah oui, oui, oui. Non, 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 il était dans l'escalier. Fais gaffe, il y a un squelette qui descend. Il est mort. Ça y est, il a mouru ? Il a même plus que la hauteur limite. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oh, ouais. Ben, ça c'est bien. Donc vous voyez, c'est une autre façon, les petits viewers d'amour, les petits lapinous là, c'est une autre façon de créer un mob spawner. Jam, il fait chacun fait à sa manière de toute façon. Hein. J'ai même pas regardé, je me rappelle plus du tout. T'as fait quoi toi ? J'ai fait la base en vidéo et j'ai fait le premier niveau. Ils font. Ah oui, ce truc. Ouais, la tour en cobble là. Il fait 70 par 70, je crois, ou un truc comme ça. Oui, oui, non, mais c'est très bien aussi, non ? C'est très très bien. Moi je me mets en haut surtout pour avoir un point de vue sur ta base, tu vois, c'est pas mal aussi. Ah. Donc là-bas on a le porto du Nether, on a... T'as choisi d'être dans l'océan toi. Ouais, avant j'étais dans Mesa mais l'océan j'ai... Là, puis, au tout début que j'ai pris là, j'avais comme projet de créer une ville sur le serve. Et là vu que ça l'a tué, c'est plus jouable donc... Ah ça y est, ça va commencer. Ouais, la faire ensemble. De toute façon, c'est le but, hein. Si je rejoins le multi, c'est pour faire du multi, c'est pas pour faire du solo. Je suis toujours pas en haut, là. Surtout, j'ai un endroit à te montrer. Ah. À ton avis, si je saute, je meurs ?
plutôt dans l'eau, non. Oui, mais pour atteindre l'eau. Attention aux salades. Aux salades. Moi, c'est mon ordi là qui l'a avec mon club. Alors. Alors. On va. On va se le faire à la Leroy Jenkins. Hop. Où il est, Shiny? Il va essayer d'aller prendre un bain. Si je meurs, tant pis. Ta-da-da, ta-da-da-da, yee-haw! Ça y est. Je me suis petit suicidé. C'est la base de fabriquer un bateau dans la vie. Bon, désolé, on va faire un grand tour parce que tu vas y aller. T'as payé? T'es payé? Le bateau, oui. Je paye pas, moi. Je t'explique, t'as pas compris. Ici, c'est... oh, bien vu, mère de bis. Ici, c'est la mafia qui arrive, tu vois. Oh mon dieu, eh ben, je m'en fous, je joue à GTA. GTA. Il tourne pas sur mon ordi. Mon pauvre ordi portable. Ça y est, j'ai plus de bateau. Dommage. T'en as pas ? Non. Mais attends, j'ai une idée, je vais me mettre là et passer en spectateur et je vais te suivre. Attends, je sais pas si tu... je crois que tu peux te passer tout seul. Ouais. De toute façon, je vais pas abuser des game mode. On y va tous les deux en spectateur. Ouais, mais est-ce que je te vois quand t'es en spectateur? Oui, on voit nos têtes, normalement. Je vois ton name tag. Vas-y, follow me. Follow me. C'est le truc en face, là. Ooh. Je trouvais ça pas beau au début, mais quand je suis allé voir ce qu'il y avait à l'intérieur, franchement, c'est stylé. Et je me suis dit, ça pouvait te plaire. Tu rigoles, moi, là, le lac, là, j'ai déjà l'inspi qui arrive. Ouais, mais moi aussi, mais moi j'arrive pas à l'appliquer mon inspiration, mais toi je sais que tu peux y arriver facilement. Là tu vois la petite île où je suis, là, la toute petite? Ouais. Hein? C'est un volcan ça, mon gars. Tu le sais pas encore, mais c'est un volcan. Ah si, le truc là-bas tout au bout là? Non, celui-là là, celui-là en dessous de nous là. Ça il faut le transformer en volcan, qui viendrait à peu près jusqu'à cette hauteur, tu vois? À peu près ici. Ouais. Oh la vache. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est mes idées pourries aussi, il faut pas écouter. Non, c'est pas mal par ici, il y a du potentiel. Il y a un lac intérieur. En plus, on sera pas loin l'un de l'autre. Et l'autre, il veut déjà que je m'installe à côté de chez lui, t'as vu ça? Ouais, comme ça, je pourrais te violer plus facilement. Je pourrais te dé plus facilement plutôt, excuse-moi de mon vocabulaire. Oh, violer. Tu sais, de toute façon, c'est pas ma couleur préférée, moi c'est rouge. Donc, C'est presque pareil, hein. Non. Et regarde, si t'es déjà tout rouge et que je te mets un pain, ben, t'auras un bleu. Mais il sera violet. Ouf. C'est très naze comme jeu de mots. Je sors, je me casse. Tu sais quoi, je retourne chez toi, là. Tu tires. Je m'étouffe et toutes mes conneries. Faut que j'arrête. Donc là, c'est la base au Pandouné. Il y a encore du boulot à faire plein. Donc on va le mettre au boulot. Il va falloir sortir les esclaves, les fouets et compagnie et bosser. Et oui. Donc je retiens, là il y a la extrême île, ça veut dire qu'il y a des émeraudes planquées. Ah oui, pas bête. Ah bah oui, moi, c'est ça, mon cerveau il pense qu'à ça. Émeraude et or. Il va finir par me buter. Donc pour revenir au spawn, il faut passer par ton porto. Ouais. Voilà. Mais tu sais qu'il y a plein d'endroits que j'ai pas été visité encore. Ah oui, non mais je me doute. Il y avait plein d'arbres dedans. Il y avait. Hey, tu sais qu'on me pose toujours la question, mais comment tu fais pour farmer autant d'items? Ben, on trouve une île comme ça qui est couverte d'arbres, puis à un moment il y en a plus. Ah oui, j'avais fait ça aussi, puis ouais, je m'en rappelle même plus des fois de ce que je fais. Alors là, on a des carottes, je reconnais, on a du blé, je reconnais, je vais piquer des carottes. Oh oui, vas-y, mais prends-en les vieux. Hein. Voilà! Bye! Non, voilà, c'est bon, il peut devenir le shiny. Il a voulu jouer avec moi. Ok. Cette commande. Je m'en fous, t'as quand même pris un coup de hache pour le plaisir. Bon. Ah oui. On a fait tout le tour de chez toi, là? Ouais. Ouais. Bon, mais ça, mais je te le ferai visiter plus tard parce que. Ouais. Tu es à 1000 blocs dans le Nether, donc 8000 blocs IRL, c'est un peu loin. C'est rien, tu sais où elle est située, ma Mesa, à moi? Non. À 11000 blocs de chez moi. De ma mine. Ouais, mais sur un serveur, ça fait pas la même chose. Ouais, je sais. Surtout quand, d'après ce que j'ai compris, les portails du Nether bloquent. Par là, ça l'a pu. Là, ouais, apparemment, Taliskuné, il a fait un bon boulot dessus. Ouais. Si c'est lui qui s'en occupe.
Bon, ben, je vais pas la faire trop longue, là. Moi, je vais y aller pour l'instant. Wow. Normalement, ils sont sur toi. Raclure. Et nous, pendant ce temps, on va farmer un peu d'oak. UMH. MH. Parce que là, on est vraiment en début, et comme vous pouvez le voir à droite, j'ai construit une grosse bouse, donc on va avoir besoin d'arbustes. Tiens, on va couper tout ça, et on va s'attaquer ensuite à de la vraie construction, comme on aime en faire. Yes. Donc, le thème de l'épisode, ça va être transformer cette magnifique bouse infâme en quelque chose de sympathique. On va peut-être pas tout faire dans cet épisode, mais au moins on va se faire le rez-de-chaussée et l'entrée. C'est parti mon darty, mon kiki, mon riri. On s'y attaque. Ça, il va me falloir quelques escaliers de coco. Et ça devrait... un petit peu plus encore. Et ça devrait être bon. Donne-moi déjà le suprucibudi. Alors vous voyez, j'ai fait des marqueurs. Et quand il y a un marqueur... il y a un tronc, mais comme on a fait une avancée sur la maison, donc c'est une simple maison, je vous fais visiter, hein. Simple maison en dirt, hein, j'ai déjà préparé tout ça en dirt, en bois, j'ai déjà préparé tout ça, il n'y a aucune ouverture ni rien, on va tout faire ensemble les mecs, tout faire ensemble, yeah. Allez, hop, ta 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 ta. Et oui, je suis en armure de fer, hein, toute pourrie. Je veux monter là, 4. Et là, ça devrait pas être... bon, on fera zanzuit, hop. Je vais déjà m'attaquer au marqueur. 2, 3, 4. Ouais, 4. Pour l'instant, on met à 4. Et on verra ensuite comment ça se passe. Donc, première construction, on fait un truc, une vraie maison. J'ai fait que 3 là. 1, 2, 3, 4. 4. Vous le savez, moi j'aime construire. Donc, première construction, une petite maison, vous allez voir. On va lui donner toute une ambiance. On va dégommer tout le monde en leur montrant, voilà les gars, c'est comme ça qu'on construit. Hein. C'est comme ça qu'on construit, comme des boss. On va leur montrer ce que c'est que le Fail Gang, hein, tu vas voir. Tu vas voir, mon tout petit. Hihihihi. Hop, alors ici, je fais ça, 2, 3, 4, oui, ici, on va monter. Non, même pas, on va pas monter si haut. Hop, c'est pas comme ça que je le veux. Hop. Merci, mon riri. Voilà. Merci, mon Gary. Hop. Rien que pour faire les simples piliers, il m'a fallu quasiment un stack. Donc ici, on a une avancée. Comme tu vois, ici, là, on a une avancée qui est pas très très jolie. Donc, 1, 1, 1, ça sera mieux. Et on va le faire dépasser même. Et on va refaire la même chose. Ici. Ici ou en dessous? J'hésite. On va le faire en dessous. Yes. Donc, je vous montre. Je vais faire ça, parce que je vais passer hors cam, sinon ça va prendre des plombes. Je vais faire ça. La poutre transversale, ici, on va la passer comme ça. Mm-hmm. Comme ça. Non, pas comme ça. Arrr. On va la passer comme ça, la transversale. Yep, tu vois tout ça. Je vais faire le tour du bâtiment comme ça. Je vais voir ce que je fais au milieu, et on se rejoint de suite. Ça vous va? Allez, à de suite. Et on se retrouve les poulets, on se retrouve donc, voilà l'idée principale. Ouh, j'ai merdé là. Ouh, pas bien. Hop, fais ça, tu te saisis de ça, pas bien. Voilà, c'est mieux. Et donc, l'idée principale de la chose, ça va être ceci. Ici, on a des portions de 5 par 5 à chaque fois, tu vois. Donc, nous, ce qu'on va faire... c'est on va dénaturer un peu tout ça, on va lui donner un peu plus de rythme. Donc pour ça, on va venir ici, faire ça, oh, le serveur lag un peu, ok, faire ceci. Non mais mon Gary, tu fais ce que je te dis, et au temps où je te le dis, s'il te plaît. Et faire cela, c'est tout bête, hein, tu me diras, mais bon, ensuite, on va venir faire avec de la coco ou avec de la stone. Avec de la stone, pour casser le rythme, hop. Avec de la brique plutôt. Hop, 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 hop. Et
Hop. Ensuite, ce qui serait intéressant, c'est qu'on fasse ceci. Tu vois, hop, hop, hop. Ah non, celui-là, il est mal placé. Bordel. Tu te fous de ma gueule, serveur. Voilà. Et voilà. Donc, on fasse comme ceci. Pour que les piliers soient bien mis, on en met un devant aussi pour que ça soit beau. Ciao, Julio. On en met comme ça. Et... Ah, puis saleté de fence. Et ça. Et donc, je vais appliquer ça de suite partout, vous allez voir. On va faire ça ensemble. Et comme ça, après, je ferai les autres côtés sans vous. Ah, il y en a un qui est mal placé, c'est celui-là. Merci. Voilà. Et ensuite, tu fais ça. Comme ça, la coco. Pourquoi je l'ai pas ici ? La coco, on la met comme ça, on la met comme ça. Et là, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai pas dit que c'était bien. Ensuite, on va prendre un peu de stone de base. Tiens, d'ailleurs, hop, coco, reviens là. Donc ça, la stone, reviens là. Et on va faire comme ceci. Tu vas voir, c'est tout bête. Et ça change tout. On fait ça. Hop, hop. Voilà. Et tu vois, de suite, on a un autre rythme. Regarde la différence. Ici et là. Du simple changement de couleur, on a quelque chose qui est pas mal. Et on pourrait même, tu vois, si on pousse le vis jusqu'au bout, ici et ici, on va le pousser jusqu'au bout. Tiens, pourquoi on le pousserait pas jusqu'au bout? Ici et ici, faire ceci. Yes, ça me plaît. Et on est au rez-de-chaussée de l'iron, s'il te plaît. Hop. Ça devrait aller. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et ça, on va les poser. Tant pis, j'en ai pas besoin. Et on va mettre ça ici. Yes. Donc, ben, je vais faire ça partout. C'est-à-dire des deux côtés. Et ensuite, on se retrouve de suite pour s'attaquer au bord droit et au bord gauche. Allez, à de suite. Oh yeah, ça a une autre gueule qu'un mur en cobble quand même. Hein. Donc, je vous montre. Ça, c'est l'arrière. Oh, il faut que je bouffe, merde. J'avais pas pensé à prendre ma bouffe. Hop, hop. Et ça, c'est l'avant. Donc, et arrête de dire donc, Chani. Et voilà, est-ce qu'on en a fini? Non, monsieur. Parce que maintenant, on va faire ça. On va pas faire ça. On va pas faire ça parce que c'est très très moche. Ça ressemblait à une bonne idée, mais ça l'était pas. On va faire ça et ça. Ça et ça. Et c'est uniquement pour l'avant. Hein. Ça, vu qu'on a l'avancée ici, ce sera uniquement pour ça. Ça et ça. Ça et ça. Yes. Et ensuite, en bas, on fait zaza. Zaza. Hop. Et là, c'est déjà fait. Comme ça, on a un peu ces petits enclos qui pourront nous servir ensuite à mettre les chevaux ici, à l'entrée, tu vois. Il y a déjà un sens à ceci. J'y ai réfléchi. Ensuite, je voulais passer par ici, par là, à ce pan de mur ici. On va se faire une entrée. Hop. Excusez-moi, je prends la hache. Hein. Puisque de toute façon, je veux qu'on sorte... c'est où? C'est ici, je veux qu'on sorte. Donc, dans l'idée, comment ils ont fait ça? À coup de slab. Écoute, mon Mauricio, ça va être en coco pour l'instant. Hop. Hop, et on rejoint. Hop. Arrête-toi, arrête-toi. Oh, bordel. Oh, bordel. Oh, bordel. Oh là là. Et hop, et hop, et ici, comme ça, ça ferait un petit camino. Tu vois, la slab, je les laisse, je remplacerai un zuzuit. Mais dans l'idée, je veux qu'ici, ici, là, on sorte.
Oula, j'ai fait une connasserie là. Hop, et hop. Voilà, ouh, j'avais fait une connasserie. Hop, je ramasse, hein, désolé. J'aime pas laisser traîner mes saletés. Voilà, et on pourrait même mettre déjà ça et ça pour dire qu'on arrive easy. Ok, et donc mon entrée, elle serait là. Une entrée qui fait 2 par 2. 2, oui, 2 par 2 de haut. Enfin, 2 par 3, mais de suite, ça va passer à 2. Hop, hop. Et voilà. Là, c'est accueillant. Ah, 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 ah. Accueillant comme j'ai envie que ça le soit. Hein. Soyons d'accord sur les termes. Maintenant, en dessous, il faudrait peut-être que j'y cale un bloc de coco et qu'on fasse une démarcation ici. Pourquoi ? Parce que notre plancher va démarrer là, ça va faire une cassure avec l'extérieur. Et pour ici, je voulais une fenêtre. Une vraie fenêtre, donc coco, coco, oups, coco en dessous aussi, coco en dessous aussi, en haut, pareil, coco, coco, et on va mettre tac et tac, et puis en complétant avec nos bases, hop, et on va laisser ça là-haut. Mais on va faire ça différemment, c'est-à-dire qu'on va faire ça et ça. Yes, on a cette petite arche ici qui casse le rythme par rapport à ici et de l'autre côté. Ok, maintenant, il est temps, hop, 2 par 2, pareil, donc ici et ici, on va monter, il me faut du bois pour papa, hop, merci. Hop, hop, yap, yap, yap. Et maintenant, hop, 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 hop. Et voilà, je libère en plus comme ça. D'où le fait que j'ai farmé du spruce comme un boss, comme on dit, comme un boss. On va faire... Non, on va pas faire ça comme ça. C'est pas beau, ça. Merci, on va faire ça. Hein. Et ça... Et on va faire ça et ça. Voilà, ça décorera. Et hop. Ici, c'est bien. Me grattait le nez, excusez. Donc ici, on rentre. Un. Lequel je préfère? Je préfère... Ok. Celui-là, on va garder celui-là comme thème. Mais pour cette entrée-là, on va mettre ceci, 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 ceci. Et en dessous, on va mettre un bloc de stone. Hop. Hop. En haut, ici, aussi. Et on aurait même pu mettre... Non, 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 on n'aurait rien pu mettre. Là, c'est déjà bien. Voilà. Et maintenant, ici, il va quand même me falloir des escacaliers. Des escacaliers... Hop, 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 voilà. Ici, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on pourrait faire une fenêtre soupirail, c'est-à-dire ici. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas très beau. Voilà. Et ensuite, faire quelque chose ici. Non, pas comme ça. Tu vois, toujours pareil avec cette idée de casser le rythme. Et cette fois-ci, on ferait ça. Yes. Hop. U. Et U. Ça, c'est bien. Maintenant, Comment quoi? Oui, comme ça. On va faire ça. Comme ça, ça ne flotte pas dans le vide. Et on va même faire... Hop. Non, c'est comme ça. Et pas autrement,
on fait comme ça, et ici aussi. Hop. Hop. Tu te fous de moi, serveur. Tu te fous de moi. Et maintenant, c'est l'heure de escalier. Et après, je pense qu'on en aura fini pour ce premier épisode de Halloween. Ici, on va faire ça. Et maintenant, on va faire ça, ça, ça. Non, non, et renom. Tu vas faire ceci. Ensuite, oui, non, mais c'est mieux. Voilà, merci. Ensuite, il me faut de la dirt. De la dirt, s'il te plaît. Voilà, tu fais ça. Et ça, tu fais ceci. Cela, cela. Pareil ici. Et on va faire comme ça. Yes. Voilà. Et maintenant, eh ben, il n'y a pas 36 solutions. On va escalatoriser. Escalatorise-moi. Et donc, on va faire ça. Coucou. Coucou. Cela. Et coucou. Et là, un équilibre de 3-2, en fait, tu vois. Tiens, d'ailleurs, non, tu vois pas parce que je l'ai pas bien fait. 3 de coco, 3 de stone, 3 de coco, 3 de stone. Comme ça, ça casse un peu tout ça. Donc là, j'ai fait 3 de coco, ça va être 3 de stone. Et on va faire ça, et ça, et ça. Ensuite, on va faire ça. Hop. 1, 2, et 1, 2 et 3. Et maintenant les derniers. Et là ça fait 1, 1 et 1. Hop et hop. Regardons ça ensemble. Ça c'est l'escalier qui déchire. Oh oui. Oh oui. Maintenant il me faut des slabs. Hop. Pour ce côté, non, même pas, on fera pas sans slab, on fera une autre fois, parce que là ça va pas aller sinon. Il me reste un truc à faire que j'avais envie de faire. Voilà. Et on se retrouve les poulets, on se retrouve, et maintenant on va s'attaquer à différentes petites choses. Donc là on va faire une avancée, parce que ça, ça me plaît pas, donc j'ai envie d'avancer un peu plus. 1, 2, 3, 4, alors, 1, 2, 3, 4, 5, hop. Hop, hop. Non, non, vilaine petite bête, non. 1 de trop. Hop, on va faire comme ceci, et ensuite on va se saisir de l'ouac. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et j'ai fait une connerie. Ici, j'y vais pas. On va avancer encore un peu. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va faire comme ça. Il me faut mes escaliers de coco comme d'habitude. Hein, hop. 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 Et on va même en rajouter un là. Et un là pour dire que ça soutient plus de poids. Ensuite, comme précédemment, nos piliers, on fait ceci, 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 et ceci, et ceci, 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 et ceci. Voilà. Et ensuite, on va monter. On va monter en haut. Et qu'est-ce qu'on va faire plus haut? Tu sais ce qu'on va faire, mon Gary? Eh ben, on va travailler, comme d'hab, hein. Et on va faire l'ouverture ici. Alors, qui j'y ne dise pas, dit la bêtise. Mon ouverture, elle vient jusqu'en haut. Donc, tu ne dis pas de la bêtise. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je dois tomber pile au-dessus du poteau. Nickel. Et voilà. Au passage, ne jamais oublier d'enlever les saloperies qu'on fait. Hein, et on déblaye tout ça. Hein. Hop, 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 hop. Ah, les tâches rébarbatives, il y a que ça de vrai.
Allez, maintenant, ouvre. Hop, 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 ou mâche, et je flash, je vous promets, je commence à avoir des cloques dans les mains et tout, tellement je hache depuis tout à l'heure. Comme c'est lent comparé à ma hache en diam, c'est efficiency 4. Ouh, la. Mais c'est plus fun. Donc, ici, on va mettre, hop, toi. Toi, mon toi. Il y a un beacon régénération, donc on va en profiter. Toi, mon toi. On va faire si. Et là, on va redescendre en bas. Youpi. Ça fait mal. Et hop. Et maintenant, il n'y a pas 36. Solution. On recule. Tu fais dirt ça. Non, pas Coco. Coco, c'est chiant à enlever. Hop. Dirt. Et tu fais ça, et on n'y est pas encore. Et tu fais ça, et là, on devrait y être. Jusqu'ici. Yes, nickel. Hop. Et voilà, et maintenant, on va le faire à l'ancienne. Non, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Et hop. Et hop. Et hop. Et voilà. Bon, j'ai fini de construire ces murs et on se rejoint de suite, promis. Et regardez bien, mes poulets d'amour, regardez bien. Comment un simple dénivelé dans la façade va nous changer tout un rythme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette grande allée plane, même ce dénivelé plat, là, regardez, j'arrive, il y a un relief de fou, alors que j'ai juste fait une avancée de maison, rien de spectaculaire. Bon, maintenant, on va travailler sur autre chose. Hop. Je vais faire exactement ce que je vais faire là, donc faire ceci et monter les piliers des angles. D'accord ? Et vous savez ce qu'on va faire, et j'ai pas besoin de le répéter, on se rejoint ensuite. Allez. Et voilà, deux simples poteaux, et c'est encore meilleur. Ouais, c'est encore meilleur. Bon, ben maintenant, il nous reste plus qu'une chose à faire, comme on dit, aller à l'intérieur et commencer à tailler tout ça. Donc ici, je veux des grandes fenêtres. Voilà, genre ça. Et après, il faudra que j'aille chercher du verre pour finir tout ça. Donc le verre, vous l'aurez pas à cet épisode, mais le reste, on peut déjà le faire. On va prendre un peu de spruce. Spruce mousse, ça pousse et ça mousse, et ça dégage 9 torches. Je pourrais faire ceci, que je te récupérerai plus tard. Ensuite, je peux faire une table de craft. Une table de craft, ça coûte rien. On la prend, on la pose ici, et on fait des escaliers. Des escaliers pour qui ? Des escaliers pour Riri. Maintenant, de la dirt, hop. Et on va dénaturer un tout petit peu avec... Non, il va me falloir les deux, donc... Comme ça, comme ceci, et comme ça. Quel aspect ça... Ouh, mais ça me plaît. Ça, vous savez quoi ? Ça me plaît. Donc, on va faire la même... là-bas, et ensuite on va passer à la petite avancée. On le fait ensemble. Donc de l'autre côté. Sur combien je suis monté ? 6 je crois. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Ici 6, hop. Oui. Et hop.
Non, pas hop comme ça. Et flip et flop et flip et flop et laisse-moi faire mes fenêtres, bordel de Dieu. Hop. Et hop. Ensuite ici, je pensais juste un poquito, un poc soupirail, comme on dit en catalan, un poc, un tout petit. Comme ceci, hop, et hop. Et ramassons ces saloperies et regardons la gueule que ça a de loin. Parce qu'il faut que ça ait de la gueule, bordel, faut que ça ait de la gueule. Yeah, si ça n'a pas de la gueule, je vais rager. Donc hop, hop. Et regardez ça, ça commence déjà à se démarquer. Ça va me plaire, je sens ça, ça va me plaire. Donc ce côté est fait. Maintenant, il calcule. Ici, il veut une fenêtre de 3. Et il va faire tout ça hors cam et il vous rejoint ensuite. Ah, c'est carrément mieux. Excusez-moi les mecs, c'est carrément mieux quand c'est bien aéré. Hein. Donc pour l'instant, on a juste fait les vitres. Et on va aller jeter un coup d'œil à ce que ça donne de plus loin. Et un petit balcon sur le côté ici, donc on changera de point de vue. Pour jeter un coup d'œil au balcon. La seule chose que j'ai fait, c'est tailler les ouvertures. Et regarder comment on y gagne en espace. Donc quand tu auras des murs à l'intérieur et tout, ça va le faire. Mais ça va le faire grave. Voyons maintenant de l'autre côté. Est-ce que je peux passer par là? Est-ce que je peux passer par là? Oui. C'est bon, je suis passé. Voyons quand on arrive ici, ce que ça peut donner. Yes, et yes. Eh ben, tant qu'on est ici, vous savez quoi? On va rajouter ça à l'intérieur. Parce que ça me saute aux yeux. Zip. Et là, c'est bon. Et pareil en face. Zip. C'est des petits détails comme ça qui vont faire la différence. Hein. C'est la façon dont tu vas sentir le poids de tes mouvements. Tu vois, regarde. Hop. Et hop. Et le poids de tes mouvements. Qu'est-ce que t'essayes de faire des trucs comme ça, Chani? Non, c'est simplement, ça va te donner du relief. Tu vois, de suite, la 3D, elle est cassée, on n'a plus une pièce unique. On a juste ça. Et juste ça, on pourrait faire... Non, on ne pourrait pas faire. Mais c'est pas, Chani. Ici, ça doit être une poutre. 3 et 4. Ici, ça doit absolument être une poutre. Qui correspondrait à ici. 2, 3... 4. Toujours pareil dans l'idée de casser notre 3D intérieur. Simplement en rajoutant de la texture. Ok, ça c'est cool. Maintenant, on fait ça. Tu vas voir la différence dès que j'ai terminé. Je sais, je devrais pas faire de l'intérieur, mais là, ça me prend. On n'a même pas fini de construire la maison, que déjà je suis en train de bosser à l'intérieur. Pour une fois que je me mets à bosser les intérieurs et que je fais pas mon grand feignasse. Vous allez pas râler quand même. Et donc là, pour avoir mon passage de 3 par 3, je remets une poutre ici. Et tu vas voir le changement de volume. Il m'en faut une ici. Hop, qui vient se rejoindre avec celle-là. Il m'en faut une ici. Et là, tu auras l'intérieur le plus claquant. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, mais tu vas voir la différence. Le simple fait de placer d'autres textures. Regarde ça. On se remet au même endroit. Oh. Bon, sur ce, on a d'autres choses à foutre. Maintenant, je vais... Eh bien, écoutez, prochaine étape, comme on dit. À tout à l'heure.
et nous revoilà ensemble pour une nouvelle aventure de Shani dans Halloween. Alors, jetons un œil aux travaux. Attendez-vous à des changements quand même, je vous le dis les mecs. Attendez-vous à des changements. Vous êtes prêts? Pas. Oui. Nouvelle maison décorée, arbustée et pouletée. Poulet? 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 Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? On aurait dit le bénil chaud. Et donc, regardez ça. Par ici, on va avoir une entrée qui va venir comme ça. Un chemin qui va nous diriger ici. Et tu arrives sur cette... Alors, regardez bien que je vous explique le principe. Ici, j'ai créé une avancée de toit. Donc, juste la partie supérieure qui déborde avec ce petit patio, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, cette petite entrée supérieure. Donc, t'arrives ici, il y a la poste. Hein. Et ensuite, on arrive ici. L'escalier sera pas comme ça. Je l'ai juste fait à la va-vite pour avoir un endroit où monter. Donc, ici, on a la première avancée avec une petite vue. C'est cool. Là, on a vers l'arrière. Ici, on a notre petit balcon qui donne vers le spawn. Oh, et le portail du Nether. Et montons que je vous montre. Oh, j'ai failli tomber. Et là, ça manque de torches. Voilà. Et on va remettre une ici. Et donc, ici, on a notre petit balcon. Et là, c'est l'avancée de tour, en fait. Tu regardes, on tombe. Voilà, tu as vu où on était. Donc ça, c'est pas mal. On va avoir pas mal de surface à meubler. Il y a juste un détail qui me chagrine. C'est la gueule de ce truc. On va faire ça comme ça. Hop, hop. Et hop. Yes. Juste une petite vue, tu vois. Oh. Voyons la gueule que ça a de dehors. On va regarder les façades. Et puis, je crois qu'on en aura terminé pour les premier épisode des aventures de Shani au sein d'Halloween. Aujourd'hui, je suis seul, parce qu'on est le lendemain, j'ai avancé pas mal les travaux pendant la nuit, un coup d'insomnie, vous me connaissez, hein. Mais donc, regardez ça. C'est-il pas beau? Là-haut, oh, jolie façade. Et donc, on a notre entrée ici pour passer là-bas, que je te montre aussi. Donc ici, on a ça. Hop, tu passes là. Waouh. Ouh, il faut que je bouffe un coup, moi. Et regardez bien, j'ai commencé à décorer ce côté-là. Donc ici, on a notre accès au reste du spawn. Coucou. Et regardez bien, j'ai sur-arbrisé. Donc on distingue à peine la maison et c'est volontaire. J'ai rajouté des fences pour faire des mini-branches ici. On a mis quelques buissons, une petite haie, et tu vois, tu peux passer, t'as des petits recoins un peu partout, ce que je kiffe. Nirahahaha. Donc, ce qu'on va faire, c'est passer en game mode spectator. De spectator. Ah oui, ils m'ont désopé. Ok, pas de game mode spectator, donc on va juste monter. Et se faire le screenshot du jour. Ok, je suis pas dans mon LP, j'ai oublié. Intro. Yes. Non, ça me plaît pas. Il faut un autre angle de vue. Je veux un autre angle de vue, s'il te plaît. Hop, on va se mettre ici. Et peut-être ici. Ou peut-être plus près, tout simplement. Hop. Est-ce que... Il va y arriver, Shelly. Il va y arriver, il va y arriver, il y arrive, il y arrive. Et il y arrive pas. Ah, bordel. Ah, mais c'est à cause de ça. Mais jump abruti. Ouh, il sait pas jumper. Les blancs ne savent pas jumper. C'était un film, ça. Les blancs ne savent pas sauter. Hein. C'est pas du racisme. Attention. On va passer sur le toit ici. Voilà. Et on va monter. Yes. Désolé pour ces péripéties, mais c'est comme ça que je fais. Hein. Et on va faire F1. F2. Il y a un zombie là-bas, je sais pas si vous le voyez. F2. Et on va faire ça comme ça. Et F2 encore. F1. Allez. Oups. Et les mecs, mais sur ce, il me reste plus qu'à te dire que j'espère que t'as aimé ce premier épisode des aventures de Shani sur Halloween.
Pour ce premier épisode, on a eu que le panda. J'essaierai de visiter les bases de chacun dès que j'aurai l'occasion, en cam avec vous. Et sur ce, n'oublie pas de laisser un j'aime pour soutenir la série et soutenir ton Shiny et le gang. Hein. Moi, je vous fais à tous un bisou. Je vous remercie d'avoir vu cet épisode. Le petit bisou, il est sur la face droite. Tu le sais, pas sur la gauche. La gauche, c'est sacré. La droite, c'est pour les amis. Et en attendant, abonne-toi pour recevoir toutes mes vidéos. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve au prochain épisode. Peace!